Bon, ça va tout le monde? Bien? Vous avez passé une bonne journée? Monsieur le proviseur, bonjour, je peux venir avec mon goûter? Bien sûr, bien évidemment. Ouais, ça va, à part que je me suis pété le dos hier. Reprise du foot. Oui, j'aurais peut-être pas dû tenter ce petit ciseau. Hein? Ouais, surtout que j'ai oublié que c'était pas du vrai gazon. Hein? Je me suis un peu enflammé. J'aurais dû prendre la VOD, je l'aurais mis sur YouTube. On pouvait faire un record sur le terrain et tout, machin. Avec un petit slow motion, ça aurait été parfait. Putain, je kiffe tellement 6-4, les gens! Ok, Trunks, mais si tu me kiffais tant que ça, tu serais étudiant du campus. 3,99€. Tu vois, c'est quand même pas difficile. Remember it. Il regarde la vidéo, il est très drôle. Ce move de Toto des îles là, j'ai envie de le revoir au ralenti tellement j'ai envie de me faire du mal. Ça là, là on vient lécher l'arête là. BAM! Alors ça. C'est un mur. Ça, c'est une tête. Ça, c'est le réticule. La prochaine fois, on essaiera en enregistrant l'image. Ouais, je sais, je force, mais j'aime bien forcer un peu. On va faire les choses proprement. On va faire ça, bien évidemment. Hop là. Et on va mettre une flèche, ok, qui va être comme ça. Voilà. Ça, c'est une tête. Ça, c'est un mur. Voilà. Bon, moi, ça me paraît clair. Non, mais c'est important. Ils m'ont demandé d'être leur coach. Il y a peut-être des trucs sur lesquels moi, je pensais qu'il fallait pas revenir et sur lesquels on va devoir revenir dans le futur. C'est hyper important. Non, franchement, j'ai mal de savoir que même moi, certains kills, je les aurais mis, quoi. Il faut laisser rentrer, alors. Faites gaffe à Tika. J'adore ce taf, hein. Toucher derrière la drone, trop bien, oui. Et dis-toi que t'as des bonnes capacités à le faire, parce que j'ai déjà essayé, c'est pas facile, hein. Ah ouais? En fait, si tu veux, quand t'es droneur, t'es les yeux. Mais quand t'es en tri, t'es plus les yeux. Tes yeux, c'est le droneur. J'ai envie de le faire chier, vous avez remarqué. On va le mettre en bas à droite, quand même, pour avoir sa photo, hein. C'est important, je pense, hein, Zaiden. Voilà. Là. Donc il apparaîtra de temps en temps quand même. Tu le sais juste parce que t'écoutes. Alors que quand t'es droneur, bah en fait tu vois tout ce qui se passe. Et le fait d'être en tri, t'arrives derrière. Genre c'est limite, tu dois filer dans tous les sens. Genre. Il y a un shield pilier aussi. Tu peux deny s'il te plaît, Len. Il y a un mec Potter aussi. Le shield il est pilier. Là, deny le depuis la trappe, ça sera plus safe. Il y en a qu'un deuxième. Ouais, l'intensité de la com en fonction de la dangerosité. Hein. Tout à l'heure, en fait, tu reprends le mec qui te donne une intensité qui est parfaite par rapport à la dangerosité, quoi. Il saute et dit devant toi, devant toi, devant toi, par rapport au fait que tu puisses faire tout de suite quelque chose, quoi. C'était le même cas hier avec une moment où j'aurais voulu entendre un truc. Cheminée, on peut le défoncer. Il est bloqué, bloqué, bloqué. Vas-y, cheminée. Il est juste à côté de la cheminée. Contact à gauche, on le défonce. Attends, je prends la ligne. Il est sur mon ping. Il bouge pas. Il peut pas bouger. Bam, bam, bam. Là, on y va, quoi. Là, le fait que Potter aussi, il y en a un, que l'intensité de la com soit aussi importante entre le shield qui est à côté du pilar et du mec qui est proxy en dessous, il aurait pu se passer 2 secondes avec un timing où Len n'avait pas cette confirmation-là, en final. Parce que là, il demande la confirmation. Et en fait, quand il demande la confirmation, il demande plus que la confirmation. C'est typique d'une personne qui ne comprend pas qu'on lui a envoyé une information aussi capitale avec aussi peu d'intensité. Il demande une confirmation en mode, sérieusement, il y a un mec Potter. Et en fait, ce qu'il t'envoie comme message, c'est de le comprendre. C'est de te dire, normalement, on aurait dû me faire passer ce message avec plus d'intensité. Clairement, le même truc, la même machine, moi, ça m'arrive sur le drone et tout. Potter, contact, contact, attention, t'en as un. Aruni, contact, elle est en dessous de Potter, etc. Je te donne l'info, elle a pété mon drone. Démerde-toi avec ça. On a les infos, mais il y a une information capitale, quoi. Et elle doit donner, avec une. Je sais pas, c'est un truc, c'est immédiat, quoi. Et il faut que ça monte en intensité. Ça, par exemple, même si ce n'est pas stricto sensu une erreur de com, c'est le genre de truc, je l'ai déjà vécu. 100 000 fois, il peut devenir une erreur de com. Pourquoi? Parce que derrière, on n'arrivera jamais à trouver la responsabilité entre la personne qui dira « Mais je te l'ai dit » et l'autre qui lui dira « Oui, mais… » Et quand on peut défoncer un mec, on le défonce, quoi, et on met de l'intensité dans le call, quoi. Bleu mort. Un Shaco toujours. Ok, j'ai drop. Shaco mort, Shaco mort. Un bon gros joueur bien chaud en face vous défonce la rondelle sur notre décal du machin. Pourquoi? Il n'y a pas de freeze, nom de Dieu. On vient de faire quoi, là? On est en 5v2. Il reste… 1 minute. Cette exécution où on passe quasiment les étapes mid-game, late-game, very late-game. Et ça, ça se fait à 15-20 secondes de la fin, quoi. Pas à 1 minute. À 1 minute, on a le temps, bordel de merde. On a le temps de redroner, on a le temps de prendre l'information, on a le temps d'avancer tranquillement, etc. Autrement, on va se heurter à des mecs qui vont être chauds. Ah, merde, il m'a eu. Attends, moi, j'y vais. Ah, merde, il m'a eu aussi. Ah, merde, j'y vais. Putain, les mecs, franchement...
30 secondes, je comprends pas, on était 5v2, on se retrouve en 2v2, nanana. Mais ouais, mais remonte en fait, le problème il est que t'as pas respecté le fait qu'en 5v2 à 1 minute, tu prends 15 secondes pour te toucher la teub quoi. T'as 15 secondes à rien branler, à rien faire, tranquille. Qu'est-ce qu'on fait? On freeze le jeu. Les plus grosses équipes, c'est les mecs qui mettent des têtes, oui, c'est les mecs qui ont des strats, oui, c'est les mecs qui ont des analyses, etc. machin. Mais c'est les gens qui savent prioriser ce qu'il faut faire en fonction du temps qui est restant. Faut savoir dissocier le résultat de l'action. Le résultat est bon, ils ont gagné. L'action est très mauvaise. Sors, t'as ton bus, mais sors. Ouais, derrière le bus. Sors, vas-y, c'est immédiat, tu peux le faire maintenant. On a un truc, on a un timing. Il y a un danger, il y a une opportunité. Et je prends le contrôle sur mon teammate, en fait. Je prends le contrôle. Il a plus besoin, il faut pas qu'il ait de questions à se poser. Il faut le contrôler à ce moment-là, quoi. J'ai pas des déchets, quoi. Un autre, Doucement là-dessus là. Pourquoi pas prendre la même ligne en 1 minute. Pixel. À quoi ça sert? À quoi ça sert de la redécaler à chaque fois? Non, je veux pas ça. La cam les gars. Non mais ça c'est inadmissible hein, franchement. Ça fait deux fois sur deux pracs les mecs. Si vous savez pas prendre des cams, sérieusement faut arrêter hein. Faut arrêter la carrière pro hein. Il y aura jamais, ça marchera jamais hein. Le mec décale du Nighty à la cam du Nighty. Faut partir sur Valorant là hein, ou Fortnite ou je sais pas quoi. Il push freezer. Ah, il plante close freezer. Il plante en face de toi à ta droite là. Il plante pas, il va pas le planter. 8 secondes, il va pas planter. Derrière toi. What? Mais comment il te cut d'ici? Ça, qui est-ce qui... Bon après c'est Len, bon c'est pas très grave. Mais jamais tu joues un clutch comme ça les amis, bon c'est pas grave mais... 9 secondes, il va l'entendre Volt. Donc on sait qu'il va savoir que de toute façon on peut... il a pas le temps de planter. Donc il va pas planter, donc il va jouer le kill. Et il va jouer le kill, c'est obligé parce qu'il a que ça à faire en fait. Donc le seul et unique but du jeu que vous devez faire toujours dans cette situation, c'est toujours la même chose. De faire un bruit en lui faisant très très peur. Par exemple, coup de shotgun ou tirer là, balancer le C4. Et derrière, de vraiment lui foutre les boules. Mais surtout, de lui faire arrêter son diffuse en lui disant « J'arrive !» Alors qu'en fait, bah non, j'arrive pas. Mais même sans le C4, le but du jeu, c'est de faire « Bam, 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 bam !» J'arrive, tu peux pas planter. Et là il va faire ah quoi, il est où? Merde, il est planqué derrière son mini shield, derrière sa bombe, derrière un mur renforcé, derrière le truc, il s'est barré en fait. Ah, c'est ça, il y a que ça à faire, Franchement, heureusement qu'on habite pas au même endroit. Je prendrais une grande claque derrière la tête là. Je te dis, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc là? C'est le cirque Pinder ici? Non, bon bah alors arrête de faire l'acrobate. Non, vas-y, je vais faire plonger en bas. T'as pas peur là? Tu vas te faire sécher par. Hey Zaiden, on va augmenter le niveau, je te jure, tu vas te faire sécher la rondelle. Là, tu verras si tu vas bouger dans tous les sens. Non, ils ont pas pété la cam, garage. Oh, c'est un vieux ami. J'ai le mal! Motion sickness! Il y a un drone. Non, mode. Pourquoi tu l'as pas fait au pistol? Ça aurait été plus stylé, moi, je pense, au pistol. Après, sur ma playlist, fresh frère, un petit one tap pistol, tu vois. Meilleure information, meilleur call. De 2021. Il arrive. Qui s'occupe de quoi? Last of All était machine, je la sound quelque part dans la map. Merci Zaid. Ça, c'est propre. Ça, c'est précis. Là, on est bon. Six Invitational, mois de février. Ah, on le gagne. Ah, on va soulever des marteaux, mon gars, je te le dis. Attends, la range du sledge. Oh, tu peux le choper la trappe d'ici, sérieusement? C'est le deuxième bruit le plus ridicule du jeu. Bah, je vais détruire le B2, attends, s'il te plaît. Forest, c'est vraiment top. Forest, très très strong. Après, je pense qu'il faut respecter la méta et respecter la logique d'objectif et de faire tomber du gadget, etc. Forest, très très strong à un niveau plate supérieur, quoi. En dessous, à mon avis, les mecs en gold doivent l'utiliser pour tuer des gens, quoi. Je pense qu'il y a d'autres possibilités. Il va y avoir des shields demi à des endroits qui sont pas protégés par un Jaeger. Il va y avoir des Jaeger et des shields, c'est pas protégé par du mute. Il n'y a pas de logique de ça qui protège ça. Qui protège ça dans des lots inférieurs, quoi. Donc gold ça sert à rien, quoi. Mais à partir de plate, Flores c'est extrêmement strong. Ce que tu vas faire, H, t'es prêt à aller planter toi? Moi tu veux que je plante tout parce que tous les murs sont ok. Écoutez-moi, je vais flash pour ton insertion, H, et tu vas rentrer, ok? Et toi tu vas essayer de planter au milieu, au pire. Au milieu, vas-y, vous êtes prêts? 3, 2, 1, les flash pop. Je plante B2. Je vois rien. Il va C4. Ok, 5. Il est côté bord.
75. Aid mort, injured. La squeezer. Tranquille, pas la peine de pick, pas la peine de chercher. Ouais, ça ressemblait à une vraie exec avec une logique de on prend le temps de se dire comment est-ce qu'on va faire avec une certaine avec un certain truc. Ils étaient trop passifs en face, ça manquait vraiment de répondance sur la défense et tout. Sans appeler le freeze, on fait un truc un peu plus sympathique quoi.